aide pour la question petit 5. Nous avons vu dans la question petit 4 qu'en remplaçant 3 par 12,3, nous avons pu effectuer les calculs sans avoir besoin de la calculatrice. On a utilisé le tableur, donc 12,3 plus 9, je valide, ça fait 21,3. Ici, 21,3 fois 8, ça fait donc 170,4. J'ajoute le nombre de départs, donc 170,4 plus 2 fois le nombre de départs, 12,3. Ah oui, il faut que je mette une virgule et pas un point, 195. Et donc ensuite, 195 moins 72, et j'ai trouvé 123. Bien, ça m'a obligé à retaper tous les calculs comme j'avais fait pour 3. C'est assez fastidieux. Exactement comme sur une calculatrice. Mais je pourrais aller bien plus vite en utilisant la formule qu'on nous indique ici, en cellule B2, taper la formule égale B1 plus 9, puis valider. Donc je vais en B2, là, égale B1, je clique sur B1 ou je tape B1, plus 9 et je valide. Et il retrouve 21,3. Alors pourquoi faire ça? Parce que si à la place de 12,3, je remets 3, il refait le calcul. Je n'ai pas besoin de réécrire la formule. Ou si je mets 100, il refait le calcul. Je n'ai pas besoin de réécrire la formule. 100 plus 9, ça fait bien 109. Je vais donc ensuite venir dans cette cellule, B3. Je vais marquer une formule, égale, et je veux multiplier le résultat précédent par 8. Je vous laisse faire la suite.